On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de samedi, direction l'hippodrome des Princes de Condé sur Chantilly. On retrouve les galopeurs sur les 1600 mètres, le mile, dans un quintet touffu, 16 partants, d'échevaudage, en terrain lourd à très lourd, donc vive les nageurs. À mon avis, ça va être encore une course à surprise. On va démarrer de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, j'ai pris le numéro 5, Goto Hollywood, corde 2, Greg Benoît Barbereau. Un cheval qu'on a plus vu en bon terrain, un cheval qui n'a jamais déçu en terrain lourd. Il a déjà gagné sur le tracé, il a fait une magnifique place de quatrième dans le grand handicap de Deauville, donc dans un lot bien meilleur, dans le wagon de l'extérieur, il fait une superbe ligne droite. Il mériterait de remporter son quintet et j'espère que c'est pour demain. Deuxième base, le numéro 10, Sagatim Gad, Stéphane Pasquier qui est dessus, le roi des quintets. Il n'y a rien à faire, il est vraiment très doué dans les événements. Il a 3 sur 3 sur Chantilly, PSF, Gazon. C'est un cheval qui adore le terrain lourd. Plus ce sera gras, mieux il sera. Corde 3, il aime mener les débats. Je serais très déçu de ne pas le voir dans les 5. Le challenger, le numéro 6, Rajkumar, que je rachète. La dernière fois, je ne l'ai pas gardé, il a fait la place de 4e. Rajkumar, il a 100% de réussite à Chantilly, il a déjà réussi en terrain collant, il a réussi en terrain lourd, bon 6e d'un quintet, en 41,5 de valeur, il a plus trop de marge. Maintenant, je me dis que dessus c'est Pierre-Charles Boudot, corde 8, l'aptitude à Chantilly, je fonce. Premier outsider, l'As, répertoire, qui peut être une surprise. Vincent Cheminot qui est à la monte, André Fabre qui est à l'entraînement, il a 2 sur 2 sur le parcours, débute dans les quintets, débute dans les handicaps. Il vient de finir le 12 septembre à côté de mon ami l'Écossais qui a gagné le grand handicap de Deauville. Il est en 44 de valeur. Alors sur cette ligne-là, si le cheval s'adapte au terrain lourd, c'est la seule inconnue, ça peut créer la surprise. Deuxième outsider, le numéro 7, Comsei High, corde 11, adore le lourd, a gagné son quintet, a pris la pénalité, a déçu ensuite en terrain bon. Il revient dans le lourd, il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais je me dis une place de 4-5e si le parcours est bien fluide. La suite du pronostic, le 13, Moonlight Symphony revient sur du plus court. On l'a plus vu sur 2000 mètres. C'est une jument qui adore le terrain lourd. Alors elle, c'est un coup oui, deux coups non, un coup oui, trois coups non. Elle n'est pas très fiable, mais si elle est dans un bon jour, je pense qu'elle peut se réhabiliter. Après le numéro 12, l'Arnaud, corde 14, qui a repointé le bout de son nez, super. C'est un cheval de terrain lourd. C'est un cheval qui a fait l'arrivée la saison dernière en 44 de valeur. Il nous revient dans les quintets en 36,5. Par contre, il a 3 échecs sur la piste. Mais je compte sur Didier Ardouin, pas Didier, parce que souvent Didier, non, c'est Didi, son surnom, pour bien le monter et finir dans le quintet. Et je finis avec le numéro 9. Asterios, corde 16, il vient de gagner son petit handicap, donc il prend la pénalité gentiment. Il s'est déjà placé sur ce tracé-là, il a déjà fait l'arrivée en terrain collant, alors je me dis qu'en lourd, ça peut aller. Corde 16, mais je compte sur la maestria de Christophe Soumillon pour le faire finir au moins dans les 5-6 premiers. En cas de non partant, le 4, Tonnancourt, la grosse inconnue, c'est le terrain lourd en bon terrain, je l'aurais mis très haut. Tonnancourt à Maxime Guyon sur le dos. Voilà, maintenant, si le cheval s'adapte en terrain lourd, je vous dis oui. Si ça lui va pas, il ne fera pas l'arrivée. Mais mettez-le dans un champ réduit, on sait jamais, c'est un bon cheval. En cas de mésimpas, ce sont le 16, Keitu Magique. Même s'il y a Michael Michel qui est dessus, que j'adore, j'ai du mal à le voir figurer dans les 5. 3 quintés, 3 fois en échec sans moi. Surtout en terrain lourd, c'est non. Et le 14, On the Sea, hors distance, tout simplement. Et en terrain lourd, je pense pas qu'il aime. Enfin, je pense pas qu'il aime. Donc ce sera sans moi. Voilà, le quintet, c'est fini. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, bonne nouvelle, entre guillemets, le cheval que j'ai repris, il a bien la valeur de Paris. Mauvaise nouvelle,
place de quatrième, il a cassé la série. Alors hier, en réunion 4 course 3, le 4 Galant Gala, 5 gagnants, 20 placés, quatrième, dommage, départ au galop, Johan qui l'a remis, s'est mis dans le wagon 2, qui n'avançait pas, Franck Ouvry n'a jamais avancé dans le wagon 2, donc ça nous a mis à mal, sort à 3, repique côté corde, manque de maniabilité sur le cheval, mais il y a de gros regrets, parce qu'à 15 euros, il nous aurait fait vraiment une très très belle place, c'est dommage. Nous espérons ce soir Follow Dream nous relancer la série. Normalement, ça doit faire premier ou deuxième. J'espère la victoire. Et pour samedi 10 octobre, on reprend un cheval que j'ai pris le 30 juillet à Mêlée du Maine, qui avait gagné avec Rico. C'est du trop monté. Alors, en réunion 4, course 5, sous l'hippodrome de Cabourg. Le numéro 10, c'est Delta Fac. 5 gagnants, 20 placés. Cette fois-ci, c'est David Thomas qui est dessus. Alors, David Thomas, je suis guère fan au 3 attelé, mais c'est un bon jockey au 3 monté. Fais-nous plaisir. Delta Fac, c'est un cheval dur. C'est un cheval que j'aime bien. Il m'a surpris dans la course de Mêlée du Maine parce que Best of Bourbon s'était échappé. Il a suivi. Il a gagné très facilement. Dans la course, faut se méfier d'Easter River, un 6 ans aux dents longues. Voilà. Tous au même échelon. Corde à droite, notre CDG a déjà gagné sur le tracé là en rendant les mètres. Donc très très bien. Clyde Barrault qui a gagné cette course l'année dernière. Alors l'association Johan Le Bourgeois, Séverine Raymond, je pense que c'est le concurrent le plus dangereux et un degré moindre d'Ion Winner. Maintenant, Delta Fac, c'est un vrai cheval de trop monté. Il vient de faire troisième de Drus de Guèze et Douchka Win, deux chevaux qui sont en plein boom. Je serais très déçu de ne pas être dans les trois demain. Et franchement, je serais très déçu de ne pas gagner en fait. Voilà, parce que vu l'opposition, le seul qui peut nous battre, c'est la monte de Johan Le Bourgeois. Sinon, sans ça, ça ne bouge pas du coup est gagnant. Voilà. Nous les amis, on se donne rendez-vous demain avec les sauteurs. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous. Bon gain. Ciao.